Ah, c'est sûr. Bon, et comme à l'ordinaire, moi saluer toutes amies info biblique. Alors monsieur, nous en forme et me t'es patient pour me te ca rejoindre ensemble avec nous là dans le ça. Comment nous y est et pas oublier pour partager me connaît il y a plusieurs fans, amis, nous yo ensemble avec nous là. Et me sentir un gros pour que me gagne un bon côté moi dans les ça. Alors juste partager lui avec yon zami et nous gagne gros bagaille que nous va dire là à soir. Gros bagaille que nous va dire là à soir, vous bon? Et présence importante pour nous là. Et nous remercions déjà parce que vous êtes ensemble avec nous. Ah, nous avons Kisli, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Cherchez là, aux amis, pas nous. Bon Dieu béni, petite fille, moi. Et buenas noches à notre almana Christella. Et beaucoup de junior. Je vais vous rassembler, quitter un comment pour moi que nous là avec moi. Et dis est-ce que nous bien. Ok, Emmanuel, zami pas moi. Bon bagay. Bon bagay. Je veux dire, nous avons un grand thème là, Emmanuel. Et aux amis pas moi, Onel, chef Onel. Frère Emmanuel, comment ça y est, bon côté où? Comment ça y est, beaucoup tout? Parce que nous avons pas lagué le programme ça. Nous avons en retard dans le programme, nous avons couru là, pile à pile. Et pour nous capables directement de rejoindre ensemble avec vous. Si vous sentez bien tendé et ou bien image à bien paraître, vous avez juste dit yes. Et puis, nous n'avons pas avancé. Parce que grand thème ça a soir là, nous pourrons débattre ensemble avec vous là. Nous avons juste besoin de dire merci vous bien branché ou bien tendé. Et on dit yes. Et puis, je vais avancer ensemble avec vous. Je vais avancer ensemble avec vous. Frère Banel, beaucoup de vous. Je vais saluer. Ok, yes, yes, serviteur Jean Wilkins. Ah, j'ai bien un junior. Je dis à Mkembo. Yes, ok. Ok, 5 sur 5. Mike, Jean, j'ai bien Wilkins. Nous avons entendu nos paroles. Je salue. Je salue aux amis. Bon Dieu béni, Kembe là, pas moli. Je dis à vous-même pour partager là avec moi là. Parce que je dis à vous parler d'un bel thème avec vous. Un bel thème avec vous. Juste quitter et la vie arriver loin. Ok? Pour être capable d'avancer. Avancer et encourager le travail là. Sœur Closette, petite fille, pas moi, depuis la Santa Catalina. Bon Dieu béni, comment y est? Est-ce qu'on en forme? Est-ce qu'on sent tout bien branché? Maestro, maestro, aïe aïe, j'ai mis pas Mac. Depuis c'est nous, mais oui, frère Pam. Aïe aïe, bon Dieu avec vous. Bon Dieu avec vous, je salue vous. Kembe là, pas moli. Pas moli. Partagez dans l'autre, amis. Pour nous entendre, go! Quand on chaîne parole, ça, après-midi, là. Pas oublier son continuité que m'a fait là. On a parlé de comment peut-on faire un bon choix. Et. Samedi dernier, je dis à Mvini. Amen. Moi, pas trop bien, non. Oh, sort gagné, servante de Dieu. Qui sort gagné? Je dis à la fois, nous prions ensemble avec vous. Qui sort senti? Parce que nous venons tant vraiment nous pas parler. T'as semblé que pas trop bien, vraiment. Eh bien, que nous demandons bon Dieu pour le toucher ou côté où il y a. Ok. Que lui établi ou. Est-ce que vous comprenez? Zami nan panel écrit de message écrit yo, zami nan hello lamyo, zami nan moniteur yo, nan
tabernacle de compassion yo, sœur Rosmita, Kedlin Basile, petite fille, ah, ou la gemnette, un gagnant douleur. Que bon Dieu touche au sein closette, que bon Dieu fait grâce, ensemble avec vous, tout j'ai maladie, douleur, et nous demandons bon Dieu que vous disparaissez totalement dans la vie, parce que vous avez travail pour faire pour Seigneur. Donc, faut que bon Dieu touche. Et juste avant que moi commence, je vais la prier ensemble avec vous. Tout le monde qui fait monter là, mon dos de là, c'est yes, bien entendu, bien ouais. Ok, pour nous faire un arrangement pour bien ouais, bien entendu. Ok, tout le monde qui fait monter là, c'est pour bien entendu ou bien ouais, dis yes. Et puis, partager. Et puis pour nous capables d'avancer. Bon Dieu bénou, bon Dieu bénou, bon Dieu bénou. Nous saluons. Yes, 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 sur closet, yes. Mike, le yes. Ok. Bon Dieu avec nous toutes. Bon Dieu avec nous toutes. Ou même qu'à supporter le programme ça. Bref, priez pour nous toutes là. Ok. André, ok. André. Bon Dieu bénou, oui. Bon Dieu bénou, serviteur. Bah ouais, qui c'est servante ou serviteur. Même salut. De vous là, avec du encourager le travail ça qu'a fait là. Ok, on va prier pour nous chaque qui là. On septième monde. On va prier pour vous. Ok, on va partager sur WhatsApp 5 fois. Amen. Amen. Bon Dieu, ben nous, serviteur. Nous allons la prier, bon Dieu, pour chaque monde qui là. Chaque monde qui est en bas de life. On va la prier pour vous. On va demander, bon Dieu, pour passer un bon petit moment avec nous là. Ok, sans l'éternel, qui nous protégea. Nous avons l'autre monde qui monte, de pour bien brancher, yes. Yes, bien branché. Et puis partagez-la avec l'autre ami pour que le travail arrive fait. Est-ce que vous comprenez? Pour que nous soyons capables de vivre loin. Je vous dis à la, ok, pour le travail à la fête. Ok, nous allons la prier ensemble avec vous. Ou même qui voulait prier avec moi, amen. On a la prière. Nous allons inviter le Seigneur. Alléluia. Nous allons inviter le Seigneur dans le bel travail ça que nous avons fait chaque samedi. Je dis à moi, en retard. En panne technique, mais bon Dieu fait que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés et nous avons moins. Ok, amen, je vais nous la prière ensemble avec vous. Alléluia. Alléluia. Voilà la prière. Et pas oublier que nous avons une ligne que vous pourrez nous. Ok, si vous avez un pose une question. Amen, sachez-la. Sachez-la comment vous êtes, petite fille. Comment vous êtes? Est-ce qu'on est en forme? Est-ce qu'on est en forme? Voilà la prière, bon Dieu, pour vous-même. Oui? Bon pour succès fait en dedans. Oh, Gilles, lui, bon Dieu béni, bon Dieu béni, frère Emmanuel, bon Dieu avec nous, amen, amen. Voilà la prière pour chaque monde qui est là. Chaque monde qui est là. Bon Dieu béni, un soldat, pas Mkembe là, pas Moli. Non, pas qu'à Moli, c'est vite. Ah, Moli, non. Mission, c'est ça lié. Mission, c'est ça lié, oui. On prend. Ça fait une bonne parole, moi-même, dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est farci. Alléluia. Ce sont les violents. Il faut être violent pour faire pour mener bataille ça. Bataille ciel là, il pas facile. OK. Donc bon Dieu bénon là. Tiens là, pas molli. OK. Bataille ciel là pas facile, les amis. Pas facile du tout du tout du tout. OK. Pas facile. Ou même qui jeune garçon là. Hein? Ou même qui jeune fille là. Samedi là, bataille pas facile non. Du tout. Bataille pas facile, non. Hein? Amen. C'est Kenson Saint-Il. Saint-Louis. Saint-Louis. On dit à vos serviteurs. Alléluia. Partagez-la, l'autre ami. Ok, partagez. Ah, moi, mon frère Emmanuel. Tout le monde boit à Vista, vous saluez nous. Tout le monde en République Dominicaine, vous saluez nous. Avant d'aller, moi, à peine entrer. On va prendre notre... Aïe. Ça évite pas de paraître. Prenez-moi ma prière pour nous. Prenez-moi ma prière pour nous, chaque qui là. Et demandez bon Dieu pour le toucher au côté. Pour passer un bon moment ensemble avec moi là. Moi à peine entré. Quand on n'a pas capable là. Ça te sont petit rendez-vous à ne pas rater. À ne pas rater. Et ça me parle du jour de l'heure, pas qu'à rater le serviteur. Ok. Est-ce que vous voulez la prière avec moi? Est-ce que vous voulez la prière? Pas oublier que. Ou carré. Ou carré, ok, pour partager opinion. Ou car, soit écrit nous, ou relé. Non. Tout le monde qui est habitué à participer ensemble avec moi, yo gagné numéro déjà, même après le numéro pour vous. Numéro c'est
plus 55, 49, 84, 10-0, 10-05. Alors, c'est sujet assez sûr, toujours sur le mariage. Le mariage, donc, toujours sur le mariage, ok? Je dis en global, parce que nous ne montons pas de comment peut-on faire un choix. Maintenant, nous sommes dans le sujet, au centre du sujet. Donc, nous pourrons parler à soi à la, nous pourrons dialoguer à voir à soi à la. Ok, 7 secrets pour un mariage heureux. Je dis à Mbappé de finir tout, non? Secret pour un mariage heureux. Attendez? Secret pour un mariage heureux. Alléluia. On nous baisse tête, non? La prière avec moi. Alléluia. Saint, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'on est capable d'entrer dans le programme ça, nous dédicacer le programme ça avec vous-même au nom de Jésus. Nous tiens que Seigneur Dieu, vous prenez première place dans le programme ça, Seigneur. Et nous-mêmes, serviteurs qui campent là, Seigneur, nous demandons vraiment entrer dans la vie nous et de nous jouer nos bagages pour nous dire, Seigneur. Alléluia. Et de nous jouer nos bagages pour nous partager avec les amis internautes, nous amis chaque samedi, nous qui est toujours là. Seigneur, chaque monde qui en bas live, là, chaque monde qui dit Amen, chaque monde qui écrit, chaque monde qui a opiné, chaque monde qui va aller relayer, chaque monde qui vient pour tendre, chaque monde qui a tendre, dans le nom puissant de Jésus-Christ, moi déclarer que bon Dieu touche vous. Alléluia. Moi déclarer, quel que soit monde, jeune fille, jeune garçon, adulte, vieillard, madame mariée, monsieur marié, que bon Dieu touche vous et qu'elle fait ressentir que pour servir lui. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Sujet 1, je dis 1, c'est les secrets pour que le mariage soit heureux. Secrets pour que, ou bien je suis capable de dire les secrets pour que le mariage soit capable heureux. D'accord? Secrets pour que le mariage soit heureux. D'accord? C'est ça que nous allons parler à soi. Pas oublier que, ou bien chance pour saluer aux amis dans le numéro. Ok. Frère Emmanuel, que bon Dieu passe avec tout staff émission. Amen. Amen. Et serviteur qui fait paraître là, je salue. Très fort. Très fort. Je sens que c'est Emmanuel qui met au là, qui invite au dans le programme ça. Les amis qui sont sous table ensemble avec là, c'est un info biblique. Et. En collaboration avec Chris, étant donné que Chris, c'est un mon fanor et les dieux. Donc, nous chita pour nous servir, pour nous parler ensemble avec vous, ou même pour capable joindre quelque chose au nom de Jésus. En allez. Pour écouter, nous allons aller à soi, c'est dans Genèse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 24. Verset 24. Et directement, qui ça le dit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Les deux deviendront une seule. Une seule chair. Est-ce que vous me comprenez là? L'homme quittera, s'attachera, les deux deviendront une seule chair. Et dire ça, oui, et dire ça exactement, les secrets pour que mariage soit heureux. En plus, le monde marié pour être heureux, mais jamais. Pas un monde qui est heureux. Ok, en plus, le monde marié, mes frères, pour être capable d'être heureux, mais en plus, fois, c'est contraire. Hein? Il y a un monde qui est intérêt bien vivre en dans mariage, il dit moi-même tout, je vais le marier pour bien vivre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que après le mariage, est-ce que c'est bien heureux? Est-ce que c'est bien heureux? Alléluia. Karine! Oh, Karine! Ah, c'est vent de Dieu. Me salue. Bon Dieu béni. Ok. Pour que mariage soit heureux, il y a des secrets à connaître. Il y a certaines choses à souligner. Pas voyant tel marié pour marier. Même des fois comme ça,
de rappeler dans jour passé yo naturellement comment faire un bon choix. Et nous disons comme ça que pour faire un bon choix, cela dépend de trois aspects. Trois aspects. Et cette personne-là doit partager même foi avec. Et cette personne aussi doit avoir, oui, doit dépendre totalement de la prière. Et aussi, et cette personne doit être utile. Alors, si c'est trois aspects, alléluia. Moi, salue Diana, bon Dieu béni, partagez lié avec l'autre ami. Et puis, pour nous parler à soi là. Allez à soi, chaque samedi. Ce Kaline, ce Kaline, bon Dieu à vous. Ok, maintenant, les trois aspects, nous finissons avec eux. C'est la prière, alléluia, et la foi, et puis nous gagnons ensuite utile. Tout le monde qui est marié, t'a remé, et mariage ou a fait succès. Et tout le monde tout qui est marié, t'a remé heureux, dans bonheur. Et même tout ça, mariage ou, c'est une dans la plus belle fête, ok, ou qu'a rencontré dans la vie. Et même vins ou encore, lors décide pour marier, attendez-vous, lors décide pour marier, c'est dit ou dit que ou pral vivre avec yon moun pour la vie. Par contre, sous la même. Ou dit pral marier, c'est dit ou pral vivre avec yon moun pour la vie. Ok? Ou te mette malade, avec ou pral vivre avec yon moun pour la vie. Le santé ou pas sous compte li. Ok? Bonheur ou presque sous compte li. Et perdu ou tout aussi sous compte li. Raison, c'est ça que fait. Leur planter ou de planter dans bonne terre. Dans bonne terre. Et quand on va être mariage écrasé, on va être mariage qui vient dans la route écrasé. Et m'de mort, quelques microbes qui étaient entrés, qui étaient fort mariés. Microbes, m'de dur. Il y a des gens qui sont prêts pour marier, mais son virus. Ou bien son microbe, son infection, les infecté par voisinant, les infecté par voisin, et maintenant le marié, et maintenant sa mariage à la guette. Mon Dieu, mais non, c'est là. Amen. Donc, ou infecté à cause que tu es un tel, tu es marié, à cause que tu es un tel, tu as bien vivre, et pour te sans préparation, il y a ce qu'on appelle mariage précaire ou prématuré. Ok. Est-ce que c'est l'âge qui te fait mon mari? Est-ce que c'est l'âge? Dans Ecclésiaste chapitre 3, il dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour petit monde, un temps pour jeune, un temps pour marier, un temps pour vieillir, un temps pour mourir. Et même de ça, gon temps même ou gon sensation pas arrêter ou pas camper. Gon temps ou gon sensation toute bagaille frère gen sa relo temps l'œil et tout ça pour qu'on rive, c'est-à-dire que pour qu'on rive dans l'œil. Là ou gen pipi. Donc des pipi à kembeo, c'est pipi pour pipi frère. C'est pipi pour pipi. Raison parce que fuck ou pipi. D'accord? Parce que l'aile rivé. On n'y a pas qu'à pipi. Est-ce que yon monde qui marche dans l'église de Dieu qui marie avec yon monde dans l'église méthodiste? N'a pas vini, servant de Dieu. Est-ce que yon monde. Alors, m'a vini dit, comme étant donné que en bas, je vais vous poser une question, tout répondre. Parce que c'est avant moyen. Est-ce que vous êtes marié? Je ne viens pas dire comme ça que, mais qui est-ce que vous faites choix? Je ne viens pas dire, mais qui est-ce que vous devez faire vivre? Ok? Mais je viens dire, principe, yon chrétien. Principe, yon chrétien, parce que nous étions avec Abraham. Nous étions avec Abraham, il était besoin de madame pour Isaac. Il était fait monsieur jurer pour ne pas prendre femme cananéenne. Ok? Avait dit que principe Abraham de bail monsieur il pas prendre femme pour porter bail serviteur de Dieu. En tant que servante de Dieu,
Ou qu'on est choix pour là, faut qu'il dépende de la prière, faut qu'il dépende de Dieu. D'accord? On va pas dire que parler mais avec Baptiste, Pentecôtiste, c'est pas ça m'vient d'où là. M'vient d'où où doit faire vivre avec un monde qui partage même foi avec. C'est cela. Partager même foi ensemble avec vous. OK? Partager même foi avec vous. Quelqu'un qui dépend totalement de la prière. Comprenez? Parce que le mariage est sacré. Tenez ça. Le mariage est sacré. C'est Dieu même qui est l'auteur. Et ça dit, l'homme quittera qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il n'est pas bon. Après, Dieu finit créer toute bagaille. Toute bagaille. Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Hein? Il parlait pour tout ça nous là au fait. Mais l'homme là. Il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et puis il dit plus bas qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis puisque il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il prend une côte. Hein? Il fait Adam dormir. Il prend une côte. OK. Bon, gagnon un professeur théologien qui te dit pour que ça bon Dieu c'est là non, il prend côte là, il prend partie femme là. Pour ça c'est dans partie sale prend le même. Mais il prend faire plus loin pas dire comme ça que bon Dieu pas prend lui dans pied. Hein? Bon Dieu pas prendre dans dos. Bon Dieu pas prendre en bas pied. OK? Mais il prend au centre. Au centre. Et ça fait la Bible relève la femme en complémentaire, un complément. Un complément. OK? Allons pour un petit exemple ensemble avec moi. Ou même qui qui a fait, ok, on nous prend un exemple sur la musique. Là où on chante, un maestro qui a chanté, un maestro a joué guitare, qui ça qui accompagne, qui ça qui accompagnement, m'attendons aux amis, hein? Qui ça qui accompagnement, est-ce que c'est chanteur qui accompagne musique là? Et maestro, ou bien guitare là, ou bien est-ce que c'est guitare qui accompagne est-ce que y a un monde qui marche dans les... Ok. Est-ce que c'est guitare qui accompagne chanteur ou bien est-ce que c'est chanteur qui accompagne guitare? C'est idem, oui. C'est musique là, c'est guitare qui accompagne chanteur. OK. Là on prend on durie avec poids noir. Qui ça qui accompagnement? Est-ce que c'est poids ou bien durie? Naturellement, nous c'est poids qui accompagne durie. Eh bien, femme là, bon Dieu dit, femme là sont complément. Même j'ai une guitare là, c'est un complément pour chanteur. Eh bien, femme là, poids. Merci en pile. Eh bien, femme là, c'est un complément. Mais c'est ça dans la tête où? Femme là, c'est un complément. Mesdames, vous comptez ça, m'a dit là. C'est mesdames, vous bail, yon couleur dans la vie, monsieur. En couleur dans la vie, messieurs. Parce que ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Ils accompagnent la vie, messieurs. Kounia, puisque ils sont accompagnés, hein? Maintenant, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu pourra le prendre une côte. Maintenant, pour former une femme.
Ceci, femme ça, il pral bay Adam. C'est là ça, Adam pral dit, ceci est ma chair. L'os de mes os. Hein? Ma prélèl Isha, qui signifie femme. C'est un complément. Complément. Avec dit, femme là, bay, on sauce dans vie ou. Et quand y a là, moi-même, pour une illustration, je vais dire que chaque garçon manque une cote. Ok? Chaque garçon manque une cote. Et le fait qu'on manque une cote, cote ça vide, place ça vide, on a besoin de remplacer. Totalement besoin de remplacer. Mais quand y a là, comme je dit, il y a un secret pour que mariage soit heureux. Quand il y a ces larmes à l'entrée, puisque je connais comment pour me remplacer la côte là, côte là vide, espace là vide, et espace là pas qu'à arrêter comme ça. Et quand il n'y a pas qu'à prendre une côte qui est plus longue que l'espace là. Ah, copiez-moi. Pas qu'à prendre une côte qui est plus longue que l'espace là. L'homme prend une qui est plus longue que l'espace là, ça va pas passer là. On a la même nom. Les pilons marchent en façon drôle. Est-ce que là? Je marche en façon drôle. Ok? Mais pour ça tout, l'homme prend une corde qui picoute que l'espace là. Son autre problème ni encore. Quand il y a ça important là, comment on va le faire identifier longueur côte ça? Comment on va le faire identifier dans le placement ça, ça que je pas gagné pour mettre pour bien fonctionner? Besoin complément, besoin accompagnement. Mais comment on va le jouer un accompagnement ça? Dépend de la prière. Partager même foi, utilité. Je dis, nous, ouais, que nous fouillons, mais nous prenons. Des fois, femme ou bien garçon qui nous prend, sans aide de Dieu, les pilons qui cotent que nous manquons. Est-ce que là? Les pilons qui cotent ou manquons. Et là, les pilons qui cotent ou manquons, ça peut arriver là. Ou marcher de façon drôle. Ou pas qu'à heureux, frère. Ou pas qu'à réussir. Pour ça? Parce que vous fonctionnez encore étranger. C'est pas monde ça où t'es doué gain en vie ou. Il y a pile monde qui marié qui rive dans un moment, yo dit me résigner. Amen. Il dit puisque chrétien marié c'est marié net, me résigner et la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Que l'homme pas doit séparer sa bon Dieu uni. Gon paquet moun comme ça oui. On paquet moun qui marié mais pendant yo marié, yo regretté mais yo obligé, yo prend balle yo au fond raison parce que yo fait un choix de yon côte qui trop long pour yo ou bien yo font un choix de yon côte qui trop courte pour yo. Et je dis, pour remplacer comme ça, maintenant ça dépend de trois aspects. La prière, même foi, utilité. Espace la vide, rempli-le, mais avec des conditions. Ok. Quand je finis d'expliquer comment exactement pour faire bon choix, je finis d'expliquer. Les microbes qu'on est capable d'infecter dans le mariage, ou qu'à marier, c'est vrai. Mais un mariage qui est infecté, un mariage d'infection. Il y a des gens qui peuvent marier, qui peuvent suivre les gens qui marient. Je dis, amen. Il y a des gens qui marient, je ne peux pas suivre. Il y a des gens qui ne peuvent pas être modèle. Il y a des gens qui ne peuvent pas copier sur personne pour le marier. Raison, li getan wè pa gen la vie. Pa gen la vie. Et le fait que pa gen la vie,
dans le mariage, dans le mariage, ça l'a gardé là, il peur pour le marié. Il peur pour l'affronter. Il peur pour l'affronter. Mais je veux dire, je vais vous dire une chose bien. Pour le mariage a réussi, je vais vous dire un secret. Au fin, comment pour éviter les microbes, intérêt. Pas jamais le marié pour intérêt. Pas jamais le marié pour intérêt. Amen. Puis vous quittez personne, vous avez force. Oh oui, un tel m'a bon garçon, m'a bon ceci, m'a bon cela. On prend la faux partie, la faux ma bon visa, la bonne résidence. Ou bien résidence. On va pas jamais héroïse dans vous. Hein? Ou aller en France. On va pas jamais héroïse dans vous. Gardez-vous, on a un bien vivre dans le mariage. On va nous te marier pour résidence. Eh bien, résidence à bateau. Hein? Mariage d'intérêt, c'est un microbe. C'est une infection pour la vie. Et ceci, une infection chronique. Alléluia. Chronique. Et mon emploi, vous avez des bagues dans le tout. Vous n'êtes pas marié. Non, vous êtes massifé. C'est en résidence où tu es marié. C'est en visa où tu es marié. C'est machine. Zami, les jeunes garçons chrétiens, les jeunes filles chrétiennes, qui ont des dignités. Qui ont des dignités. Gémon nous prend, on met sous chemin, on finit faire l'évangile. Ou descendez là? Gémon nous prend, on décide pour faire route avec elle, on finit faire l'évangile. Ou tout gros sec est où? D'abord ça déjà. Ou tout machac sec est où en bas là? Tout côté où y est? Wavel. Wavel. On m'en? Wavel. Sec est où? Microbe à éviter pour refaire succès. Pour avoir le secret dans un mariage, il faut qu'on évite premièrement le microbio, intérêt. Oui, on va mal vivre, c'est vrai. Oui, peut-être, ou bien nécessité, c'est vrai. Peut-être, ou vient dans l'âge pour ta marier, d'après où. Peut-être, ou est tout le monde dans la zone où tu es allé. Mais on est oppressé. Ou dit, oh oui, là, j'ai pas avancé. Ça, c'est un deuxième microbe. L'âge, moi, a pas avancé. Je commence à atteindre 29 ans là. Je commence à atteindre 28 ans là. Mon chef, il faut me dégager là. Il faut me lever. Levez pio non. Levez pio non, chrétienne. Levez pio. Comment on va lever pio là? Hein? Comment on va lever pio? Oui, je commence à double 6 à prendre calotte. Des chrétiens qui ont des vocabulaires, ça, oui. Double 6 commence à prendre coup. Donc si ça va mourir dans un rique chrétien, dans le monde qui compte bon Dieu. Tenez, bon ça. Donc si ça va mourir quand il servante bon Dieu, serviteur bon Dieu, hein, ça bon Dieu serré pour moi, hein, la fête, quand même. Alléluia. Ça bon Dieu kembe pour moi, hein, la fête. Pas besoin de tête, mais bon. Hein? Ça bon Dieu serré pour moi. Et me vient pour me dire tout, chrétien par contre perd des chances. Chrétien pas perd des chances, Mackinson Pierre. Bon Dieu nous. Chrétien pas perd des chances. Pas impressé. À la corps en côté, on prend pour le mal passer frère. Hein? Ah ben il y a pas quelqu'un qui a souffri dans route là. Pas quelqu'un qui marié qui a souffri dans route là. Magdala, Philomé, mon Dieu, bénis nous servante de Dieu. On va quelqu'un qui marie déjà, mais qui a souffri. Ok. Et servante, mon Dieu. Et naturellement, ça sont notre microbe, oui, servante de Dieu. Pour nous faire choix, pour pression de la foule. Yes. Merci un pile. Ou femme jeune et microbe là. Son microbe, c'est Kaline. On m'y croit, pression de la foule. Mon affosso, parent mario, pasteur mario, on prend, yo mario, yo du faux marié. Le film marié, là tout le monde a dansé dans le mariage. Le bagage mal passé, pas pour personne encore.
Et pas qu'elle a mal passé dans le monde. Ou pas pour un monde avant dans la route là. Les loups ont pompé dans le jeu. Ou pas pour un monde dans la route là. Le cas là a mal fonctionné. Ou pas pour un monde dans la route là. Et ça fait ma bdou comme ça que laissez pression pour un pour marier ou après regrette devant. Qu'est-ce que ça me dit là? Il y a un monde qui a vu ça, ma bdou là. Il y a un monde qui a vu ça, ma bdou là. Il y a un monde dans la route là qui marié. Regardez, il était zélé dans l'évangile. Alléluia. Je sais ça me dit. Il y a un monde qui a été gros servant de Dieu. Il était comme dirigé, il était comme prêché, il était comme font un paquet de bagages pour mon Dieu. Mais du moment qu'elle prend un nec ça, du moment qu'elle prend un fils ça, il y a une pitié. Il vient petit, c'est vrai. Pas bon pression. On a fait organisation, on a fait réunion pour vous, ou pas qu'on est, ou pour le marier, il a fait réunion pour vous. Il y a des gens. Je me sens fort pour me dire ça. Vous connaissez Voltaire, vous connaissez Voltaire, vous connaissez Voltaire, la religion est fondée sur la fougue des uns à l'imbécilité des autres. Les gens qui sont mon Dieu ne sont pas imbéciles. Les gens qui sont mon Dieu ne sont pas imbéciles. Et comme si que yon moun di m'a croire dans mon Dieu pour vous mettre à l'église. Hein? Li croire dans mon Dieu pour vous mais vous mettre à l'église pour sauver. M'a prier pour vous pour sauver. C'est pas vrai. Ça va faire. Le salut personnel. Ma jambe personnel lié. Dégagez chercher ma tuto, mandez mon Dieu pour nous faire yo. Pas fouer corps de tout côté. À fouer corps de tout côté. Servant de mon Dieu, hein? On prend pression, pas prendre pression. Parce que via deux, c'est un gros cause lié. Et ça va me dire, le mariage, c'est une vie dans la vie. Hein? On va noter ça, oui. Le mariage, c'est une vie dans la vie. Une vie dans la vie. Le mariage. Amen. Le mariage, c'est une vie dans la vie. Pourquoi j'ai mon monde qui a vu mes deux yeux péter? Il y a encore dans la vie. Pour qu'on y a, si on m'a suivi, ça a passé, la pittorie de tout corps. Bien quand on voit ça. Parce que, non, tu n'es pas trop loin. Par contre, on était fier pour marier. Entre ça. Mais il y a des gens qui sont là, ça qui vient de passer là, il y a des gens qui disent comme ça que ils préfèrent être comme ça. C'est parce qu'ils ont joué en pile bagaille qui vraiment déconcentré, qui vraiment découragé. Et je vais vous rappeler, frère, que le mariage, c'est une vie dans la vie. Il y a des gens qui vivent dans la vie, malgré que deux pieds mais le cocobé. Soit dans la main. Il y a des gens qui vivent dans la vie, malgré la vie, je le pété. Avec une anomalie. Des gens dans la vie, malgré la vie, les soudes, est-ce qu'elle part dans la vie? Oui, dans la vie. Le mariage est une vie dans la vie. Des secrets. Les secrets. Il y a des secrets pour gagner. Il y a des microbes pour éviter là-dedans. Il y a des infections pour éviter là-dedans. Pas pour pression de la foule, l'intérêt, l'âge à avancer, et puis, en pile mariage, ben en pile problème, oui. De pour courir sans mon Dieu. Ok, très bien ça, servant de Dieu. Maintenant, des bagailles en tant que femme de Dieu, en tant que homme de Dieu, ou pas doué accepter dans la vie. Moun kap bo pression. Soit ou nan ba moun nan pression, gon certains leaders, des leaders qu'on y a, c'est forcer moun nan soit converti, forcer le marié. Forcer le marié. Ok? Je dis à m'vindou qu'on a que. Moun ko pral bay view la, ou pral coucher ensemble avec Liam, moun ko pral partager corps avec Lia, OK, ou pral partager view avec Lia, c'est un sacrifice. Un pour la lague corps jonglé, on prend et puis frère, chez vous blanc rapide. À 35 on va blanchir. On pas capable d'ou pas gagner information ça. Est-ce que si on nèg fin fait pour marier bag pour marier fille vin. OK. Est-ce que on regarde c'est marier fille
t'as écouté les nègres là parler avec elle. Ces nègres là, vas-y, dis, 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 pas. T'as que je suis ça encore. Mais non, bon, dis-moi, bagaille, c'est bon. Mon petit pose des questions. Le mariage est sacré. Je dis ça déjà. Depuis c'est chrétien, ou mari ou marionnette. Je dis ça là. C'est, et ça fait pasteur te dit, ou bien le mari dit, s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît un empêchement légal pour que ces deux personnes ne puissent pas entrer dans le lien sacré du mariage, qu'il le déclare. Qu'il le déclare. Après mariage a fini, ou pas capable encore. Toute lecture qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, c'est à mon mari. Et ça, comme Abdou, mariage là, ils sont vie dans la vie. Hein? L'enfant erreur dans le mariage, on va le payer de petit en petit. Hein? On va le payer de la vie. Vraiment de quitter. Tout ce qu'on a fait avant le mariage, on a fait lui. Pour vous casser, verrez même. Pas grâce au mariage, non. C'est chrétien, il n'y a pas de Paul dit que les chrétiens ou fin mariage en monde sous divorce ou quitter, faut que vous êtes pour quoi. Alors pour dire pour faire corps en nos mariages, comme ça. Mais je ne pas qu'à heureux, ou pas qu'à réussir. Bon, mon premier secret. Je ne vais pas être fini avant jeudi, mais samedi, dimanche, je vais continuer. Maintenant, entrer dans le lien du mariage, c'est remettre au monde. La vie ou. Remettre au monde, santé ou. Remettre au monde, mourir ou. Remettre au monde, la vie ou. Respiration. En sérieux. En sérieux. Avant d'entrer dans le lien du mariage, il y a certaines choses à connaître, mes frères. Hein? Faut pas qu'être bagarre ou t'as supposé, mettez pour faire lecture de yo. Est-ce que. Mais le fait que nous fouons une poucon, n'oubliez si nous devons prier. N'oubliez si nous devons avant. N'oubliez si nous devons prédicateur. Ok? Donc, c'est un tel. Quand je qui dit, je connais si Frère Emmanuel là, il a un bon numéro là. Il dit, prends la vie, Jésus. Moi, je voulais consacrer le baou. Prends l'argent. Prends l'homme. Prends volonté moi. Ça a ouvré, c'est ça m'a fait, c'est ça nous chanter. Mais les rivés devant situation, yo, n'oubliez, c'est nous dit, mon Dieu, prends volonté nous. Hein? Ou par contre, il y a des gens qui disent, prends volonté, mon Seigneur, lui demande mon Dieu, nek pour le marier. Lui demande mon Dieu, nek pour le marier, et puis, gon nek qui vient cause avec. Oh, au contraire, attendez. Au contraire, lui dit, pas de monde pour lui dans l'église là. Il faut que jamais un monde pour lui dans l'église là. Et tandis que, lui dit, Secrétaire Creole, chère d'expérience. Merci un pile, sœur Closette. Secrétaire Creole. Ok. Attendez, oui. L'imande, mon Dieu, yon nek pour le marier. Attendez ça bien avec moi. On servante de Dieu, on serviteur de Dieu. Bah, connaît, quel que soit. L'imande, mon Dieu, on moun pour le marier. Et puis, prenez l'imande, mon Dieu, on moun pour le marier. Et puis, il dit, pourquoi j'en moi 50 liens. Ok, 50 liens, merci. L'imande, on moun pour le marier. Pendant qu'elle m'a demandé pour le marier, et puis elle dit qu'on a dit pourquoi j'aime mon nec dans l'église. Pour lui. Ça nous a dit, non, ça. On a la même, non. Ça nous a dit. Hein? Elle m'a demandé mon nec. Ok? Elle m'a demandé mon nec pour le marier. Ou bien elle m'a demandé mon femme pour le marier. Mais quand il y a un sac passé là, elle dit pourquoi pas mon nec dans l'église. Elle dit ouais. Elle dit ouais. Il dit pas ouais. Chaque monde qui goza avec elle. Chaque monde lui dit non. Ça veut dire ça l'aide. Ça l'aide. Ça l'aide. Ça l'aide. Ça va rien comme ça. Ça va passer ici. Ça va passer là. Ok. Prends note. Parle-moi pour premier secret. Premier secret. Ou entrer dans le mariage. Je connais si vous mariez déjà Cap d'Adem là. Je connais si vous mariez. Même si le mariage est une vie dans la vie. Je connais bon secret. L'homme quittera. Papa, maman. Hein? Il va faire seul avec un monde qui saute au Kai ou saute Jacmel. Il va faire seul avec un monde qui saute Jacmel, qui saute Port de Paix. On prend? Il va faire une fusion avec un monde, papa le mambo ou même papa le pasteur. Ah, tu as dit ça, là. Ok. Il va faire une rencontre avec un monde. On prend? Il est différent. Ok. Deux mondes différents. Donc, il va mettre la tête ensemble pour vivre pour la vie. Amen. La foi bon Dieu qu'on voit pour le cas pour misérable parce que ok et vous oui c'est bon Dieu ça dit ça ok d'avoir à nous garder sous ça que yeux nous bon nous même pas garder sous ça bon Dieu qu'a faire entendez ça bien
on moun nou pral partager vie avec elle, nou moun ki pral vivre avec li, li soti nan pays ou soti nan pays, li soti nan fam ou soti nan fami, li gen mers ou avec gen moun ki pa habitué dormi ak moun ka ronfler et ou pral dormi ak moun comme ça, ou fè choix pour vivre en moun comme ça. Comment va supporter ou? Attention, mariage une vie dans la vie. Une vie dans la vie. Ou ta même mariage ou a fait succès, ou ta même mariage ou a heureux, eh bien, ça passe trois critères. Prière, la prière. Toujours parler, toujours demander mon Dieu, toujours demander mon Dieu pour l'accompagner. Que Dieu soit le complémentaire dans ton mariage. Alléluia. Dieu est le complémentaire. Premier complémentaire de le mariage, c'est Dieu. L'homme quittera, quitter. Maman, papa, quitter. Cousine, quitter. Famille, quitter. Et puis pour le faire, on seul à qui est-ce? On ne va pas te connaître. Peut-être que nous parlons de niveau. Peut-être que vous ne comprenez pas Abdullah là. On pourra le faire bien seul à qui au monde. Qu'on pas de jambe connaître dans la vie. Au monde, on pas de jambe connaître. Qui sont loin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez Abdullah là? On va partager corps. On va partager santé. On va partager. On prend des gens qui sont mariés. On prend après mariage, ils font infection. Des gens qui sont mariés. Après mariage, ceci, cela. Mes frères, attendez ça, Abdullah. Peut-être que vous prenez pour que j'aime carrément important ça, Abdullah. On entre dans le mariage. Secret. Secret. Et m'a dit ça pour mal marier Timounio ou gâton génération. Et m'a toujours aimé dit ça. M'a toujours aimé dit ça. L'homme marié, bien bagaille, ok, son génération pour le faire. Son génération, c'est monde là, c'est continuité monde là. Ou appeler pour gagner des enfants. Ou appeler pour venir une mère. Ou appeler pour venir papa. On prend nos papa en disant qu'elle là. On prend qui dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. On y a là. C'est depuis notre base là pour préparer. Depuis notre base là pour préparer. Ok, pas de problème. On y a nous entrer dans le mariage. Dans le mariage. Nous faisons choix nous. Ok. Et puis nous chasser. Et ça que c'est le microbio. Nous découvrir le microbe. Pas de microbe dans le mariage là. Nous découvrir par infection, mais pas infecté, et vous décidez pour entrer publiquement pour déclarer qu'on est marié. Maintenant, le premier secret que je vais vous dire aujourd'hui, pour que le mariage réussi, il faut que vous gagnez la communication. C'est communiquer avec amour. Communiquer avec amour. Bien, moi, c'est l'altérin, mais c'est l'altérin, mais. Il te connait communiquer avec amour. Il y a moi qui m'a rié avec un nèg qui va connu vrai nom madame. Un nèg, OK, il va connu mon pas connu vrai nom Maril. Parce que connait un nèg qui fait mariage qui fait sur WhatsApp. Nous qui fait mariage qui fait sur internet. OK, mon nèg il joint nous sur Facebook et puis il promet lui pour l'entrer le Chili, promet lui pour l'entrer le Brésil, il promet lui pour l'entrer les États-Unis. Ya. À payer conséquence là. Et ça m'a dit la gen moun qui était dans well. Lorsque vous rencontrez un moun dans vie ou, donc pour que vous capable créer un foyer ensemble avec lui, donc faut connaître l'amour qu'a parlé. Et ça va me rappeler un texte dans Pierre Corneille, je crois. Il dit l'amour est un tyran qui n'épargne personne. C'est un plus gros problème, plus gros maladie qui est dans un foyer comme ça. C'est la communication. La communication. Pour Dieu créer la nature, pour Dieu créer l'univers, hein, il y a la communication fait partie. La communication, c'est le moteur, frère. Le moteur qui est capable d'aider le mariage à Kimbe. Il y a des gens qui marient avec Maril, avec Madame, donc la marche raconte voisinage, ça passe en dans le foyer. Ils ont des amis intimes en dans le foyer. Ils ont des amis foués en dans le mariage. Maria ou Madame n'ont pas de communication avec elle. Alors, comment comprendre que deux personnes qui marient, il y a un intermédiaire. On a l'air. Et c'est ça, c'est pour microbe. Et c'est un monde qui t'est levé dans le même quartier depuis le tout petit, arrivé
rencontrer sur les réseaux sociaux ka Marie ak moun sa. Est-ce que yon moun qui t'est levé dans même quartier depuis yo petit arrivé rencontrer sur les réseaux sociaux ka Marie ak moun sa? Bon, bonjour ça bien. Ndan mon bien nan but de ça m'a dit là. C'est pas choisi, pas crois que n'a fait pour personne. Moi bon chrétien, bon trois critères que ou t'as supposé faire ou t'as que monde parce que mariage est sacré. On dit que quel que soit ou même ou t'es petit pasteur ou t'es pasteur ou t'es diacre ou t'es ceci ou c'est là en tant que homme de Dieu, femme de Dieu, monde qu'on choisit les doués dépend de la prière. Peu importe monde t'es aux États-Unis et pas dit ou long monde aux États-Unis ou pas comme Yavel. Et pas dit me au monde qui Chili mando Mario pas comme Yavel. Et pas dit me dit ça non. Même d'où comme ça que est-ce que en tant que serviteur de Dieu, est-ce qu'on consulte le Seigneur pour faire ou ça parce que Dieu est ce seul arbitre mariage là. Dieu est ce seul maître mariage là. Ou qu'elle pas attendre ça me dire là que l'homme ne sait pas jamais ce que Dieu a uni. Ça mon Dieu joint l'homme pas séparé. Et bien qu'on y a là nous pas en question de réseau, mais c'est question de mon Dieu. M'a parlé de monde mon Dieu. M'a parlé de femme de Dieu. M'a parlé de homme de Dieu. M'a parlé de monde un beau jeune homme. M'a parlé d'un beau jeune fille non, monde qui garde sous pocole, elle son jeune fille récente quand on dit hein, on jeune fille de belle femme, et pas ça. M'a parlé d'une femme de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Oui, quelqu'un qui connaît Dieu. Monde qui est habitué à mon Dieu, qui connaît mon Dieu. C'est ça, monde ça, il pas qu'à entre fou et colle tout côté. Amen. OK. Merci en pile. Sœur Kalina. OK, merci. La communication joue un rôle primordial dans le mariage. C'est le premier secret pour que le mariage soit réussi. Des monde qui marié communicateur yo a son ami ou méchant et m'a dit ou grand bagaille même l'on t'est marié à un monde je dis là ou même capter moi même cap garder là même l'on t'est marié à un monde et monde ça lui ou pas tremel de pour ou marié avec elle mandé bon Dieu pour remel vous êtes samedi là mandé bon Dieu pour remel parce que ou obligé remel kounya. Et me toujours rappeler ou que préfère mal converti ou pas mal marié frère. Mande mon Dieu pour aider ou pour remer moun sa que ou ensemble avec lui. Alléluia. Mande mon Dieu pour remel parce que si c'est pas ça, ou ap tomber dans erreur. Ou ap tomber dans problème. Ou ap tombe dans difficulté. Parce que pour moun, nos amis, l'on va passer la caron dans le foyer, c'est avec amour. L'homme dit que ou ka marié un moun, et puis c'est un secret là. Ou gen moun ou marié avec lui tout. Ou t'es rebelle, ou t'es impatient, ou t'es vraiment droite et gauche, ou t'es vraiment, comme te dit ça, ou son moun qui t'es impatient. Et puis vous jouez un monde qui cadre ou. Bah, comment ça? Qui cadre ou. Ou son monde qui était, comme on te dit, un monde qui pas sous la vie, qui pas de clairvoyant sous la vie. Ou jouez un monde qui cadre ou. Y'a un monde qui va traîner l'école ou marié, il faut remer l'école. Y'a un monde qui va traîner mon Dieu, ou les mariés avant, ou les mots trop route pour faire, les dos, les kembes mères. Mais il y a tout. Pendant que je suis marié, c'est le plus mauvais moment de passer dans la ville. C'est le plus mauvais moment que la passer dans la ville. Et le regretter le fait que le démarrer. La communication. Se communiquer. Ou apprendre à communiquer. L'on bagaille. Et ça fait, l'apôtre Paul nous donna un principe de base pour communiquer efficacement. En professant la vérité de l'amour. Nous croirons à tous égards en celui qui est le chef
Christ. En Éphésiens chapitre 4, le verset 15, certaines personnes disent la vérité avec une attitude de haine. Mais un chrétien qui est en train de mûrir en Christ doit se préoccuper des effets de ses paroles sur la vérité. Maintenant, ou même qui c'est chrétien, faut parler avec la vérité. Ne tellement pas faire confiance dans le mariage. On a un deuxième secret. Deuxième secret. Premier secret, c'est se communiquer avec amour. Ou parler trop brutal. Son père de famille qu'on y est. Son mère de famille qu'on y est. Ou trop brutal. Et mon petit pas gagné amour la caille du tout. Du tout, du tout. On a parlé, on prend tant qu'on et ça fait et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut et ça fait ou après bon Dieu pour aller dire Adam bye bête que non, bye Adam garde mouton, il dit c'est mouton et ouais madame mou depuis le gado lui qui sinon quel cabaron dans cas là, Jésus joyeux parce que brutal, brutal, madame mou trop brutal, hein, on manque amour, manque sensibilité. Les deux mouns mariés, c'est l'insensible pour l'autre. Et longtemps, tu connais les femmes, tu connais les maris, Seigneur. Ah, mesdames. Tu connais les maris, Seigneur. Et Kounia là, les bons maris, les bons madames qui retirent les maris, chouchou. Est-ce qu'on a fait ça? Hein? Est-ce qu'on a dit qu'il y a raison de faire les chouchous? Qui ça fait le papi? Qui ça fait le papi? Ou pas de papi encore, pas de chouchou encore, pas de. Sinon, yo, encore, pas de yo, pas de amour. C'est intérêt qui a parlé. Et moi qui finis entre une femme pour intérêt, pour le mari avec elle, elle oblige le mari avec elle, mais pas mon sale de souhaiter. Pas de papi, pas de chouchou. On prend pas de bien. On comprend ça. Hein? Là ça, c'est pas mon Dieu qui met au. Là où il y a un cobre. Oui, il y a un cobre, ça, man. Là, on a besoin de cobre, non, on a besoin de bon achat. Papi, papi, ou fatigué, je veux dire. Papi, bon, moi, tire les chaussettes là pour vous. Mamie, là, on va aller besoin. On voit une la douce, hypocrite. Oui, non, pas de l'amour. C'est l'argent qui fait nous gagner l'amour. Hein? Et moi, je dis, bon, je t'aime. Je t'aime, bâton. Mais tandis que les gens la posent avant, la femme, nous t'aimons. C'est une question de belles petits mots. Tu es belle, tu es ceci. Combien de fois, madame Wabi, on dit, chérie, tu es belle. Hein? Tu es jolie. Tu es waouh. Hein? On va faire ça. Et en plus, fois, nous jaloux. Jaloux, communiquer, avec amour. En plus là-dedans, depuis. Oui, toujours Abdi. Papi, oui, ok. On prend. Yeah. C'est-à-dire que pas de papi encore, pas de chouchou encore. Nous disons que ça a été le mari, mon Seigneur. Seigneur. Maou, c'est Seigneur. Seigneur. Ouais, bon, et non, ça fait dans l'intimité, la Bible dit qu'on a qu'est-ce pas qu'à gérer foyer ou pas qu'à gérer rien pour bon Dieu. Pas gagner amour pour madame moi. On pas gagner amour pour mari ou. Hein? Pas gagner amour pour lui. Moi, la technologie tellement bien avancée, en pile monde dit mari, je t'aime dans WhatsApp, mais face à face jamais. Hein? Écris belle, tu vois, tu fleurs par madame sur WhatsApp, mais face à face jamais. C'est des lions, des tigres qui croisent. Hein? C'est conséquence, oui. C'est conséquence, oui. On a commencé à payer là. Et waouh, wow, on a bien fonctionné. Oh, il y a des gens qui font vie. On prend, il n'y a pas fonctionné bien. Il y a des gens qui sont dans le feuilleton. Il y a des gens qui sont dans le novella. Il y a des gens qui d'amour. Mais ils même jamais. L'homme est pour intérêt. L'homme est parce que l'âge t'a pas avancé. L'homme est parce que précieux, tu es là où. L'amour pas qu'à jaillir en un foyer, non? Pas qu'à gagner l'amour. Et même tout ça, depuis que mal vivre en un foyer, petit tout pour le copier sous vous. Ou gâteau génération.
ou intérêt gâton génération, ou intérêt gâton société, ou pression de la foule gâton société. Je dis à Sam Abdoulaye, yo, ce sont des choses qu'on veut se connaître avant d'entrer, avant de percer relation ça que Abdoulaye. Écoute l'amour nous gagne. Hein? Combien de fois dit monsieur à papi dans ça là? Combien de fois on prend nos gontis? Bon, surtout on dans l'église, yo. Mon Dieu, c'est depuis qu'on gagne Jésus. Hein? Et qu'on gagne Jésus, c'est fini. Hein? Et que Jésus, c'est fini. Il y a même monde qui est la tête madame Jésus. On voit? Est-ce que si dans un remède, hein, pas de gagne l'amour, dans le mariage là, pas de gagne? Jamais. Ok, donc, quand il y a un peu de temps, je vais dire ce que là. Je vais ça m'a dit là, yo, ce sont des choses que vous besoin Kembe, pour qu'ils sortent de Kembe, yo, avant d'entrer dans le mariage. Je vais vous besoin corriger dans ou avant d'entrer dans le lien du mariage. Parce que tout ce que vous avez après, yo, c'est résilient, accepter. Yo. Vous comprenez? Résilient, accepter. Parce qu'on ne fait pas quoi déjà. On passe classe là déjà. Yon bon carnet déjà. Yon bon alliance là déjà. Voulez-vous prendre pour monsieur Intel? Oui, pasteur. Voulez-vous prendre mademoiselle Intel? Une telle? Oui, pasteur. Dans la vie? Oui, pasteur. Et parce que l'on est tout le monde est belle devant là, il pas qu'on est dans la vie, ça qui arrive dans la vie. Voulez-vous, dans la maladie, oui, pasteur. Là, fait quand marie comme ça, tu confrères, ou belle, ou moins, ou coquette, ou splendisant, tout ça, ok. Maintenant, tu es vraiment extraordinaire, nègre la fou, ou moins, monsieur a fou, femme la tête chargée. Maintenant, tout ce qui vient est positif. Oui, pasteur. Dans la pauvreté, oui, pasteur. Le sabon, oui, pasteur. Dans l'accident, oui, pasteur. La vraie, oui, pasteur. Mais par contre, qu'une lecture, notre fait. L'homme dit oui, c'est oui. La parole de Dieu dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Un chrétien le dit la vérité. La vérité. Une fille mariée, l'amour que tu gagnes dedans, remet pas gagné encore dans le mariage. Avec deux grands mondes. Je ne vais même pas parler sur marié en femme qui est négligent. Un fils qui est négligent, et bien un fils, ça, il n'y a pas pris soin de colis, il pas. Bon, ça ne sont pas quelque chose que nous là. S'il dit non, il n'a pas fait. Mon professeur dit non, et puis tu es sérieux. Eh bon. Le professeur dit non, tu es sérieux. Ok. Surtout le monde négligent. Un garçon négligent, une femme négligente, il est marié, et puis ça qui passe là, il a l'école. Et maintenant, ça, tout le monde qui a été là. Dépoussé au marié, on petit pas qu'à faute notre grand monde. On petit pas qu'à faute notre grand monde. Mauvais la vie, pas qu'à faute notre petit épais. Hein? Fin marié, on met ton pantalon sous, regardez. Pantalon, il est temps qu'on. Comment tu as dit? Ah, Dieu! On prend le pantalon, il est temps qu'on voit le bâtiment. Il est temps qu'on voit tempête. Et si, madame n'a pas de mal habillé. Ou même tout par an mal habillé. Alors, tout le monde est père à 25 ans. Ou tout le monde est père à 26 ans. Ou tout le monde est père à 32 ans, à 38 ans. Hein? On est à madame là, là il consomme madame là qu'on est à la fait jeune fille, demoiselle, plein pour mariage, quoi demoiselle là. Hein? Ou de primer sous Maria? Ou de primer sous lui? Ou petit pas qu'à faire la gueule? Ou pas qu'à faire du travail pas qu'à faire la gueule? On t'a coupé les pères. On parle tout. On parle tout, oui, c'est vrai. Il y a des gens, secteur protestant. C'est comme ça, oui, vrai. Et les gens qui ont fini de marier, ils ont la gueule, des bandailles.
des bandailles. Hein? Rate pour la mettre sur le lycée. C'est. Hein? C'est pas bon. C'est relé sous corps, non? Faut toucher point pour mesdames ou bien garçons qui mettent au. Allez, t'as l'air. Qui mettent au trois spirituels qui parlaient chouchouter pendant mon mari. Ok. Exactement. Exactement. Merci en pile. Maintenant, faut relayer sous corps. Communiquer avec Mario, communiquer avec madame, et puis faire madame frais, faire madame belle, faire madame, pas pour pas ouais dans l'autre monde. Madame est telle qui belle là, qui frais, malgré qu'elle fait trois petites là, malgré qu'elle fait quatre petites là, c'est Maril. Vous comprenez? Qui fait sacrifice, elle a cap coup de pantalon, cap coup de veste. Et puis madame Yogonti, comment elle est là? Non, oui. Non, oui. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, non. C'est un jeune homme là-bas. Elle veut dire, madame là, lui-même l'habille, je le joins. Monsieur, elle même frais. Vive madame ou non, mais garçon. Vive Marie ou non, mais il faut que communication entre nous. C'est chrétien nous y est, c'est lumière que nous y est. C'est voisin pour convertir. Voisin non pour convertir. C'est nous pour le tap suivre pour le vivre bien. C'est toujours mac en bas. Hein? Si vous prenez. Donc, c'est yon veille sous l'autre. Yon aide l'autre. Yon gère l'autre. Ça n'a pas jamais. Maintenant, comment faire un bon choix là, non? En deux mariage. Hein? En dans mariage là. Comme Maria, c'est comme. Comme madame là, c'est comme. Est vrai. Hein? Ou ça, c'est pour seulement comme. Attendez. Jésus dit que. Il est tellement aimé l'église là. Il est offert comme pour sauver l'église là. On connaît pas l'église que. C'est comme offert pour sauver madame oui. Pour sauver Marie ou. Je dis à comprendre ça bien. Nous formons une seule chair. Madame doit primer sous, Marie doit primer sous. Amen. Maintenant, on entre dans le cadre et question qui se pose là. Bien qui est tellement spirituel, vous voyez. Il oublie l'amour. Il y a spiritualisme, intellectualisme, l'amour. Maintenant, sans l'amour, donc pas d'affection. Il faut créer tant. Comme je parle directement dans le romantisme là, bon tout toucher point ça ensemble avec ce vote-là, pour me joindre deuxième et pour me trouver une question. Deuxième secret, c'est préserver le romantisme. Le romantisme. Ok, le romantisme. Donc, le fait qu'on convertit, le fait qu'on pasteur, le fait qu'on prédicateur, le fait qu'on évangéliste, ça ne veut pas dire que, donc, je dis, madame, ou séparé avec lui, sauf là, nous prenons la prière, dans un commun accord. Dans un commun accord. Ça veut dire, il faut demander lui, il faut parler avec lui, il faut communiquer avec lui, nous prenons la prière. Nous faut séparer. Ou pas qu'à spirituel. Spirituel devant madame. Spirituel ou la gueule foyer. Ou t'es prié matin, prié midi, prié soir. Prié faire veille de nuit, faire jeûne. Aller tout la montagne. Faire tout ce qu'on est. Des poupes en relation avec foyer ou man kon bagay. Ok? Vous avez probablement entendu l'expression ce sont les petites choses qui comptent. Chaque mot d'appréciation fait une différence. Des études montrent aussi que les étreintes peuvent réduire le stress. Même tout ça. Comment il y a les romans dans le mariage. Romans. Hein? Romance, alors. Romance. Ok. L'amour. Ok. La sensibilité. Ok. Il faut créer des moments. Des moments. Surtout nous-mêmes, les convertis.
créer des moments pour la famille, créer des moments, même si on crée des moments pour le travail. Depuis le fait 7 heures, depuis le fait 2 heures, depuis le fait 3 heures, il faut qu'on le voit le travail, et bien en deux fois, il y a tout un moment pâle. Madame, il y a un moment pâle. C'est temps des enfants, temps de conjoints, temps de la famille, temps de Dieu, tout ça, yo. Les temps. Vous voyez? Depuis le temps, il n'y a pas respecté des ordres de foyer. Et depuis le temps, il n'y a pas respecté, moi tout ça, des ordres de foyer. Tant mon Dieu a gagné pas, les prix a gagné pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez besoin directement de toute importance, je dis là. Très important. Donc, pas pour le spirituel, pour la foyer à craser. Pas pour le poste, ou c'est pasteur, ou c'est Jack, ou c'est ceci là. Donc, il faut bailler temps pour soutenir le foyer. Parce que si vous ne pouvez pas gérer le foyer, la Bible ne peut pas gagner absolument rien pour gérer pour bon Dieu. C'est roman. Roman. Ok? Il faut faire romance. Ok? Donc, troisième secret pour que le mariage soit réussi, c'est donner 100% de vous-même à votre conjoint. Donner 100% de vous-même à votre conjoint. Avec les gens qui sont dans le monde, et pas moitié au bal vie. Hein? C'est mon cas au bal vie. C'est vivre, bail 100% de vous-même. Je vais faire sacrifice pour que K la paye. Je vais faire sacrifice pour que l'école la paye. Je vais faire sacrifice, on prend pour l'université. Je vais faire sacrifice pour l'école là. Ou de faire sacrifice pour satisfaire relation amoureuse là, relation familiale là. Très important. Sinon, à gagner. Gros problème en deux fois. C'est donner 100% de vous-même à votre conjoint. Ok? Donner 100% de vous-même à votre conjoint. Ok? Le vieil adage disant que le mariage est un arrangement à 50-50 est totalement faux. Ceux qui ont tous les deux un emploi dans le couple diront peut-être, l'indépendance est notre priorité. Nous avons accepté intellectuellement de travailler ensemble. Mais je me réserve une issue de secours personnel au cas où les choses ne fonctionneraient pas bien. Mais le véritable amour est de donner sans rien espérer en retour. Paul écrivit de nous, rappelez les paroles du Seigneur. Qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, au monde qui c'est madame mariée, monsieur marié, lui doit bailler tête 100% avec madame ni ou bien mari. Lorsque deux individus donnent chacun 100% d'eux-mêmes, un lieu solide s'établit, une force. Vingon force en nos foyers, avait dit, et pas bailler moitié crasse. Ok, pas bien moins classe, bien moins totalement. Et qu'on y a pour bien totalement pour vivre à deux à qui monde, faut base là te faite. Et qu'on y a si base là pas faite, c'est force ou pas le force, vivre pour le monde qu'on pas très bien. Force ou pas le force, vivre pour le monde que on pas connaît. Ou te croise avec sur internet, te croise avec sur Facebook, te croise avec sur Twitter, ou te croise avec sur WhatsApp. Et puis, ou pas qu'à, ou totalement 100% pour ça, parce que ou pas respecter base là. Ok? Le fait que pas gagner, ou pas bailler 100%, oui, ou forcer. Et qu'on y a espéré que, depuis cette fois, soit forcé à gagner conséquence. Un des plus grands cadeaux que vous pouvez donner est votre temps d'abord. C'est le plus grand cadeau que vous devez donner à votre conjoint. Votre temps. Il faut créer un temps pour votre épouse. Il faut créer un temps pour votre femme, pour votre mari. Hein? Il y a quelques années, je faisais beaucoup de sport. Et j'avais tendance de ne pas passer suffisamment de temps avec mon épouse. Oui, depuis les arrivées, ou à le travail. Depuis les arrivées, ou dans une activité. Ou pas oublier
je vais te boule là. On va plus ça. Mais quel est le temps? Madame, il faut réclamer votre temps. Il faut réclamer votre temps. L'on pas réclamer le temps quand il y a pas, quand le temps ne respecte pas dans le lien du mariage, il y a le désordre. Et le désordre peut amener le chèque. Et le désordre aussi peut amener, peut donner des conséquences. Des là aux yeux. Combien de femmes, combien des hommes, combien de femmes qui en dans au mariage, malgré le mari, mais le gond de l'eau qui a coulé dans les yeux, quoi que son mari travaille, quoi que pas de panne manger en tant cas là, quoi que pas de panne nourriture, pas de panne université, pas de panne, ok, mais il y a toujours des larmes qui coulent. Je vais vous rappeler, frère, quand le mariage, quand le temps dans le mariage ne respecte pas, cela amène du désordre. Oui, bah, bon Dieu qui est en pas là, Marie qui est en pas là, Madame qui est en pas là, Monsieur qui est en pas là, Timoun qui est en pas là, il y a le temps des amis, le temps des amis, le temps de la grande famille. Chaque chose a son temps. Selon l'Ecclésiaste chapitre 3, c'est un plus grand cadeau que vous devez offrir à votre conjoint. Votre temps. Il faut consacrer un temps pour la famille, un temps pour le conjoint, un temps pour les enfants, un temps pour la grande famille, un temps pour le travail, un temps pour Dieu. Ou toi spirituel, pendant spirituel et pour la guerre, il faut y craser. Hein? Faut y craser. Dieu connaît le mariage. C'est bien l'auteur de cette relation. Ok. Donnez un cadeau à votre mari. Donnez un cadeau à votre madame. Hein? À vos enfants. Vous priez, 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 priez. Oui, il faut prier. Mais quel est le temps? Le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut décider pour faire ça, je dis. Il faut décider pour faire ça. Madame, elle a tant de temps. Des fois, il y a des femmes qui sont tellement caprices. La pleine dans elle, la souffrance dans elle, il n'y a pas jamais d'où ça fait le mal. Mais elle est obligée. Je souffre. Mais elle connaît ça qui fait souffrir. Des fois, sa femme se dit là, des fois, il y a des gens qui prennent des gens maintenant en relation. Quand je souligne ensemble avec vous, si la caille n'est pas avant nous, dehors, pas ramasser. On va rentrer dans le quatrième secret. Secret. C'est remplissez les responsabilités données par Dieu. Ah, ça bon, oui. Remplissez les responsabilités données par Dieu. Dieu vous a donné une responsabilité, une mission, une charge concernant la famille. Et c'est une des raisons qui fait me dire que avant d'entrer, alléluia, c'est Angelica, bon Dieu avec nous. Amen. Allez, avant d'entrer dans le lieu du mariage, avant d'accepter de dire oui, oui pasteur, oui pasteur, oui pasteur, il faut faire une lecture, il faut faire une analyse. Hein? Voulez-vous prendre monsieur un tel pour votre époux? Oui, pasteur. Mais n'allez pas oublier que la Bible a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous dites, oui, pasteur. Oui, pasteur. Mais c'est une charge, c'est une mission. C'est une charge que vous prenez pour dire oui, pour signer pour dire oui. C'est l'une des raisons. Avant d'entrer dans le lieu du mariage, j'avais vous donner trois aspects. Trois aspects. Premièrement, cette personne doit dépendre totalement de la prière. Et aussi, cette personne doit partager même foi. Et cette personne doit être utile. Maintenant, pour pénétrer, pour partager la vie avec quelqu'un, pour vivre avec une personne, cela demande une lecture, frère. Une lecture. Même non pas faire lecture en jeudi. Mais de mon pas le connaître. Ou après, il faut retourner dans la page là parce qu'on saute page.
ou sauter page. Et dès pour sauter page, la même leçon. La même leçon. Remplissez les responsabilités. C'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. Il dit l'homme quittera. L'homme doit quitter son père et sa mère et il va s'attacher avec une femme. C'est sa mission, c'est sa responsabilité. La femme a une responsabilité, l'homme aussi a une responsabilité. Est-ce que vous remplissez bien votre responsabilité que homme? Est-ce que vous remplissez bien votre responsabilité en tant que femme? Dieu a donné des responsabilités important au mari et aux femmes. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Certifie que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Écoute, comme son propre corps. Il faut aimer votre femme comme votre corps. Comme vous avez aimé votre corps. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour son Église. Votre femme représente votre corps. Ah, vous voyez mes frères, vous voyez comment il est important d'entrer dans le lieu du mariage. Vous voyez comment il est important de faire un choix d'entrer dans le lieu du mariage sans faire une lecture avant de démarrer. Hein? En tant que mari, Dieu m'ordonne d'aimer mon épouse. Je dois rendre des comptes à Dieu de mon attitude, de mon aide et de mon dévouement à l'égard de mon épouse. Notez que Dieu ne prévoit aucune échappatoire. Il ne dit pas, si ton épouse est parfaite, alors aime-la. La Bible ne dit pas, si ton épouse est belle, si ton mari est belle, aime-le. Non, 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 non. Hein, Marie? Aime ta femme, c'est votre responsabilité. En tant que mari, comme nous l'avons vu précédemment, vous devez donner 100% vous-même à votre femme. C'est l'une des raisons, avant d'être mari, avant d'être madame, il faut faire une lecture. Alléluia. Il faut faire la lecture. La lecture. À qui vous devez démarrer votre vie? Comment vous devez démarrer votre vie? Comment vous devez faire un bon choix? Est-ce que le choix dépend de moi? Est-ce que le choix dépend de ma famille? Est-ce que le choix dépend du pasteur? Est-ce que le choix dépend de la société? Je ne sais pas. Ce choix doit dépendre premièrement de Dieu en tant que chrétien. C'est ça? En tant que chrétien, mon choix ne dépend pas de moi. Ok? Je la connais, c'est vrai. Je travaille, c'est vrai. Mais démarrer une vie à quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de manches. Hein? Quand il mange, quand il a l'argent, quand il a connaissance, mais ça marche très mal. Maintenant, quelles sont les instructions divines pour les épouses? Femmes, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et dont il est le sauveur, hors de même que l'Église. Alléluia. L'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Femme, votre responsabilité, c'est d'être une femme soumise. C'est marcher dans la soumission. Marcher dans la soumission, dans l'obéissance. Car c'est votre responsabilité. L'homme a sa responsabilité. La femme aussi a sa responsabilité. Encore une fois, mesdames, Dieu ne dit pas de vous soumettre à votre mari uniquement s'il est parfait, s'il possède de l'argent. Il ne faut pas être soumise à votre mari quand il a de l'argent, quand il travaille, quand ça marche bien. Hein? Il y a des femmes qui soumettent à mari, c'est les maris touchés dans le travail là. C'est la coupe tombée. Non,
Dieu n'a pas dit ça. Je ne connais pas de mari parfait. Seul le Christ est parfait. Mais si chacun d'entre nous essaie de remplir les responsabilités qui lui ont été données par Dieu de façon importante, alors, certes, mais avec sincérité et diligence, Dieu bénira encore davantage un tel mariage. Notez aussi que dans le même passage, l'apôtre Paul nous encourage à être reconnaissants et à nous assurer que soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Dans la crainte de Christ. Il faut vivre dans la soumission. Alléluia. Frère, c'est une responsabilité. Il faut remplir votre responsabilité. Car Dieu vous a donné une charge, une mission. Alléluia. Donc, il faut le faire. Très important. Alors, le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est quelque chose de sacré. Sacré. Cinquième secret pour que votre mariage soit réussi. Honorez et respectez votre conjoint. Ah oui. Honorez et respectez votre conjoint. Ou bien je pourrais dire, honorez et respectez votre mari. Honorez et respectez votre femme. Ceux qui sont mariés savent que nous avons tous notre nature et nos faiblesses. C'est chaque monde qui a une faiblesse. C'est chaque monde qui a une faiblesse, la caillou, ni garçon, ni fille. Mon épouse et moi avons eu des disputes beaucoup moins. Maintenant, après 50 années passées ensemble, mais comment pouvons-nous réconcilier et résorber les discussions? Donc, ou doit, pour respecter mari ou respecter madame, ok? Parce que c'est une responsabilité. C'est ça qui peut le faire foyer bien campé. C'est ça qui peut le faire que nous faire succès. Reconnaissez-vous réellement la valeur de votre conjoint? Il y a des gens qui ne peuvent pas madame aux valeurs, il y a des gens qui ne peuvent pas mari aux valeurs. Et monsieur Douce encore, il y a des gens qui peuvent pas valeur, c'est les gains d'intérêt. Il y a des gens qui chuchotent, c'est les ça marche bien. Hein? D'où ça? Ça rate qu'on est les maris, Seigneur. Papi! Quand il y a là, depuis qu'on est le papi, il y a un bagage à la chercher. En moins, mamie, yon baga la chèche. Yon baga la chèche. Ok? Donc, respectez. Ou pas qu'à dire madame ou bien mari ou n'importe quoi. Ça ne se fait pas. Hein? C'est pour qui sa Genèse 2, verset 24 l'a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Les deux deviendront une seule chair. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous ne sommes plus deux. Nous sommes un. Il faut respecter. Il faut avoir le respect. Pour votre conjoint, pour votre femme, pour votre mari. Hein? C'est très important. Respectez. Gardez à l'esprit que votre conjoint est destiné à hériter avec vous de la grâce, de la vie. Il est essentiel de comprendre combien Dieu estime chaque être humain, y compris votre conjoint. Peu importe ce que vous pensez à son sujet, chaque être humain sur terre a le potentiel de naître dans la famille divine. Donc, bon Dieu créé nous pour nous vivre ensemble. Faut que nous vivions avec respect. Faut que nous vivions, nous respecter l'autre. Nous respecter l'autre. Avant-dernier secret, sixième secret, c'est apprenez à pardonner. C'est plus grand problème qu'il y a dans nos foyers. Il y aurait ça, rancune. Rancune. Y a-t-il beaucoup de disputes dans votre famille ou dans votre mariage? Nous devons tous apprendre à nous contrôler, à être courtois, honorable et respectueux.
les gon ti problème, on ti discussion nan metan nou. Pas dit ça non pas dwe di. Et sa parole la pa di, réponse douce, calme la fureur. Proverbe 15 premier. Parfois, nous devons admettre notre propre responsabilité, peut-être avant nous personnellement contribuer au problème. Faut toujours entrer dans vous-même pour dire ce que c'est pas ma cause si problème ça. C'est pas ma cause si discussion ça. Apprendre à contrôler, apprendre à pardonner. Au moment de mon Dieu dans notre Père, dans Matthieu chapitre 6 là, où dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On pourrait dire, bah, pardonne-nous nos offenses. Ou demandez mon Dieu pardon. Pendant que Gémoun marie ou l'elfe ou bagaille, ou pas pardonner. Gémoun qui dit, moi oublié, sortir femme là. En vive, mais pas parce que je pardonne. Ou doit apprendre à pardonner. Souvenez-vous de ce maître formidable. Instruction donnée dans la Bible. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné. Il faut apprendre à pardonner votre conjoint. Il faut apprendre à pardonner votre femme, votre mari, tout ça. Une relation sans pardon ne fonctionne pas. Le pardon, c'est le remède. C'est le médicament d'une bonne relation. Je vous rappelle, frère, il faut appeler le pardon dans votre relation. Sans laquelle, il y a toujours des discussions. On va mettre au pire. Et la Bible nous dit que celui qui s'abaisse, s'élève. Celui qui s'élève, s'abaisse. Et notre passage met aussi l'accent sur ce point. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Je dis, sixième point dit, apprenez à pardonner. Pour terminer, pour réussir dans le mariage. Dernier secret, ma bonne idée là, c'est prier ensemble. Prier ensemble. Je suis conscient que votre conjoint n'est pas forcément croyante, car vous devez simplement prier pour lui, pour elle. Et priez pour votre mariage, pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme. Nous lisons par exemple, « Femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Même si mari ou pas ta converti, même si madame ou pas converti, il faut apprendre à prier pour lui. Votre exemple chrétien d'amour et de générosité peut finir par influencer positivement votre conjoint. Il faut apprendre à influencer Maria, il faut apprendre à influencer madame. Notez que l'accent est mis sur votre conduite. Ok? Conduite ou amener Marie ou changer. Dans le cas où vous priez, tous les deux, alors essayez de prier ensemble. Il faut apprendre à prier ensemble. Une réunion de prière, une réunion familiale. Alléluia. Il est impressionnant de voir combien de pensées intimes et personnelles sont exprimées dans nos prières. De cette manière, nous partageons l'un avec l'autre, ainsi qu'avec Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à appliquer ces principes dans votre vie. Demandez, mon Dieu, pour les deux ou capter. Appliquer ça qu'on dit là, you. Et comme ça, on va gagner un mariage qui est heureux, qui fait succès. Donc, ou même qui peut être marié et qui t'a tendé le programme ça, pensez que pendant que t'as tendé, on va faire prévision
ou ap fè, ou ap mette nan kès, et puis pou kapab fè yon bon choix, et pou kapab fè yon bon démarrage, que Dieu vous bénisse, vous et vos conjoints. Un homme et une femme, unis par le lien du mariage. Qu'il bénisse votre mariage et votre famille, alors que vous vous efforcez de vivre selon sa parole. Que Dieu bénisse chacun de vous. Couvons-nous, nous allons invoquer le nom de Dieu pour ce beau temps qu'il nous a fait passer. Alléluia. Couvons-nous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'invoquons, car tu es Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es là, avec nous, dans un bel débat ça. Et merci pour tout le monde qui était en bas, pour programme ça, et qui t'a attendu, qui t'a commenté. Merci pour ça, ça qui peut attendre, et effet qu'on le fait dans la vie. Nous demandons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on va faire grâce. Père, nous t'adressons cette prière dans le nom de Jésus, à lui seul la gloire, au siècle des siècles. Amen. On se retrouve demain, si Dieu nous prête la vie. Au revoir.